J'ai intitulé cette exposition La croisée des chemins parce que je sais que telle une sorte de chrysalide, ça fourmille à l'intérieur de moi-même. Je sais que ça va, je ne vais pas en rester là, je vais probablement bifurquer vers d'autres expressions, d'autres formes d'expression de mon art, si je puis dire. Si ça ne tenait qu'à moi, je privilégierais exclusivement, j'allais dire, le monochrome parce que pour moi, c'est la meilleure expression de l'authenticité d'une expression artistique. C'est comme dans la photographie où c'est dans le noir et blanc, dans le monochrome, qu'un artiste peut s'exprimer de la façon la plus authentique. La couleur, j'utilise à bon escient, c'est surtout pour exprimer des états d'âme, pour délivrer un message. Et donc c'est uniquement dans ce sens-là que j'utilise la couleur. Quand je parlais de liberté et de l'expression d'une certaine délivrance, c'est vrai, cette série-là est le parfait exemple. Parce que si vous faites attention, ce sont souvent des personnages qui sont en cours de délivrance, qui aspirent à de la liberté, qui veulent danser, qui veulent s'exprimer, qui veulent sortir de leur quotidien sombre. Et donc c'est un cheminement de l'obscur vers la lumière, on va dire.